C'est à l'assainissement d'un quartier de Remakona sous votre initiative. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à venir assainir ce quartier? Mardi passé, j'ai oublié la date. Je suivais Espace de Vie. J'ai vu un reportage. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai dit, généralement des choses comme ça, c'est les femmes qui sont plus victimes. Les jeunes, les enfants. Donc j'ai décidé de mobiliser ces camions pour cette ville-là et cette crew pour venir ramasser ce genre. Le ramassage vous a coûté combien exactement? J'ai loué la crew à 3 000 euros. Et les camions à 800. Aujourd'hui, nous sommes à Remakona. Est-ce qu'il y a des perspectives encore pour d'autres quartiers de Conakry? Je ne m'arrêterai pas. J'ai fait le quartier à pied, je suis vraiment choquée. Vous avez un appel aux autorités en place? Bien sûr. Bien sûr. J'ai un appel à ces autorités qui viennent dans ces quartiers voir comment ces populations vivent. Regardez ces sentiers. C'est la santé de ces populations qui est. Donc, je lance un appel pour ces autorités de faire face à cette problématique. Merci, c'est bon.